Yahoo Buddy Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va présenter un nouveau hentai. On va parler de Misako, 34 ans, femme au foyer et étudiante. En ce qui concerne donc le manga, nous sommes sur un one shot des éditions Hot Manga qui date de juin. En ce qui concerne donc les grandes lignes, il y a quelques mots que je vais modifier, essayer de comprendre ce que je dis, vous comme mot. Lana. Grosse poitrine, uniforme, M-I-L-F, harem, arc narratif, et insecte. Voilà, t'as bien compris qu'on parle pas d'insectes, hein. On parle pas de punaises, de mouches et de guêpes ou de trucs comme ça. Voilà. En ce qui concerne le manga, il est de Obanbu-Rumai. Et l'auteur n'a pas écrit d'autre chose, en tout cas pas que je sache. On attaque en ce qui concerne mon avis sur le manga et on va commencer par la qualité du dessin. En ce qui concerne la qualité du dessin, je la trouve pas spécialement ouf. Je n'aime pas spécialement parce que j'ai l'impression que c'est un rendu plus informatique que dessin. Et c'est pas du tout mon truc, donc en ce qui concerne la qualité du dessin, j'aime pas. Pour ce qui est du manga, donc je vais te relire le résumé. Les cours n'auront jamais été aussi excitants. Misako décide d'aller à la fac à la place de son fils, qui reste enfermé dans sa chambre. Mais les cours sont trop compliqués pour elle, alors elle passe son temps à se faire du bien. Voilà. Dans un style en couleur... Ben non, en fait le manga il est en noir et blanc. Et moi quand j'ai lu dans un style en couleur, je pensais que le manga serait tout en couleur. Obanbu-Rumai nous propose un harem inversé particulièrement excitant centré autour de la mère de famille et la libido débordante. Effectivement, parce que pour aller à la fac et s'ennuyer tellement à la fac qu'elle a sur elle déjà dès le premier jour un god pour se faire plaisir. Voilà. Et il y a marqué aussi une petite phrase d'accroche sur l'image. Ça fait tellement longtemps que je rêve de faire l'amour avec mon gosse. Donc en ce qui concerne le manga, on suit les aventures d'une jeune femme du nom de Misako qui a donc 34 ans, qui a son fils qui est à la fac, sauf qu'il refuse d'aller à la fac, on ne sait pas trop pourquoi au début, et donc elle décide d'aller à sa place, le remplacer tout simplement, alors que c'est une école avec des classes où il n'y a que des garçons. Quand le prof va faire l'appel, il va se rendre compte que donc c'est la maman. Elle va dire oui, je suis la maman, j'ai décidé de remplacer mon fils, nanana. Et t'as juste un élève qui va dire oh monsieur, on s'en fout, on fait le cours et compagnie, etc. Et elle est tout au fond du coup. Et dès le début du cours, elle s'ennuie tellement qu'elle va utiliser un jouet. Et le gars d'à côté va la surprendre et donc elle va aller d'abord lui faire plaisir, puis ils vont le faire en plein cours. Oui, le prof, il n'a absolument rien vu, tout est normal, tout est logique, mais bon. Donc en ce qui concerne le premier chapitre, et je te laisserai donc découvrir le reste, en ce qui concerne ce manga, on est sur une seule et unique histoire, donc c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Mais sache que encore le premier chapitre pouvait être plus ou moins drôle. Autant la suite, du coup, vu que tu l'as bien vu dans la phrase d'accroche, elle veut se faire son gosse, elle va finir par se faire aussi son gosse. Voilà, et d'autres camarades de classe, encore, on aurait eu la mère femme au foyer qui finit par remplacer son gosse. Une école mixte, éventuellement, comme ça, ce serait passé, elle aurait fait croire que, bah, nouvelle année, tu sais, elle fait croire que, en fait, c'est elle et que son... Enfin, tu vois, que... remplacer son fils et dire non non mais en fait par exemple je sais pas moi Yamada, voilà, quand il fait l'appel il dit Yamada, elle dit non moi je m'appelle Misako Yamada, il aurait fait l'appel, il aurait dit Yamada et elle aurait dit présente et puis il serait passé la même chose avec une école mixte. Encore j'aurais trouvé ça logique et j'aurais pu trouver ça drôle le début en tout cas, mais là honnêtement je me suis plutôt ennuyée. Et ce genre de manga où c'est des relations entre membres de la même famille, encore quand c'est des cousins, cousines, ça peut passer. Oncle, tante avec les neveux, nièces, j'ai un petit peu du mal. Et alors la mère avec le gosse, son propre gosse, j'ai un petit peu du mal. Je sais que l'histoire est fictive, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément de lire, qui m'intéresse aussi. Donc voilà, je n'étais tout simplement pas le public visé. Cette vidéo sur le manga Misako est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu et t'aura peut-être évité un achat ou t'aurait donné aussi envie d'acheter éventuellement, parce que toi ça peut être ton délire.
Il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésite pas à me le dire en commentaire justement si toi tu es pour les mangas d'insectes et surtout quand c'est parents-enfants éventuellement. Et voilà, quelle est ta limite par rapport aux mangas d'insectes? Ensuite, en ce qui concerne la vidéo, juste la précédente vidéo Hot Manga, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, tu as les réseaux sociaux. Mes autres comptes et autres mondes, etc. Les liens aussi de quelques sites avec des réductions et autres informations. Sur ce, à plus et à jeudi prochain pour un nouveau hentai.